Bonjour à tous. Voilà, donc nous avons fait un semacier optique. Hein, c'est un compteur des grandeurs, celui-là, avec un circuit intégré MM74C193. AP1, c'est un compteur. Lorsqu'on appuie sur le bouton P1, on envoie donc un front négatif. Un front négatif, c'est-à-dire une impulsion négative au compteur. Une impulsion négative au compteur. P0, on envoie un front négatif pareil au décompteur. Donc c'est un compteur décompteur. Attention là. Ouais. Ouais. Donc c'est pourquoi que c'est assez compliqué. Que je n'ai pas voulu faire de ces maps pour ne pas rendre les choses plus compliquées que de coutume. Voilà. SW1 relié donc à l'OAD, donc au chargement. Nous avons IN1, IN2, IN3, IN4. Remarquez bien que 15 est branché au plus, la branche 15 est branchée au plus, la branche 1 est branchée au moins, la branche 10 est branchée au plus et la branche 9 est branchée au plus. J'ai juste une LED qui ne s'allumera pas au démarrage. Hein. C'est donc la branche 1, à cause de la branche 1, vu qu'elle est reliée au moins. Voilà. Sinon, les sorties, bon, bah, vous avez Q1, Q2, Q3 et Q4. Ce qui est important à retenir, cela, donc, carry, donc, c'est retenu, c'est L6 qui est branché là. Et Borov, c'est toujours la retenue, mais du décompteur, c'est-à-dire de Kundava, si vous préférez. Donc, carry, donc, c'est la retenue du compteur. Et Borov, c'est la contenue, enfin la retenue, je veux dire, du Kundava. Voilà, donc je répète, donc P1 avec un front négatif pour envoyer une impulsion négative vers Kundava et sur P0, un front négatif, donc une impulsion négative sur le Kundava, qui permet de faire décompter le compteur, soit qu'on compte, soit qu'on décompte. L'OAD, donc le chargement qui permet de charger les entrées. Carry, qui permet d'envoyer donc la retenue du compteur, je précise bien, du compteur, Kuntup est égal à carry. Kundav, c'est pareil, est égal à Borov. Borov égale retenue pour le décompteur. Voilà. Donc, en définitif, c'est un compteur décompteur. SW1 qui est branché à l'OAD. Clear qui est branché à SW0 et ensuite Q1, Q2, Q3, Q4 est branché à la LED L0, Q1, L1, Q2, L2, Q3, L3, Q4. C'est branché en sortie. Voilà, c'est branché pour la sortie. Alors sinon, donc il n'y a pas tellement de commentaires à faire ici hein, sur le schéma vu que c'est un schéma synoptique. Bon, alors ici, je vais essayer de, voilà, de mettre ça à peu près droit. Alors ici, dès que vous allumez le digilab, donc je commence par le début, voilà, vous voyez ici, L6 et L7 sont allumés. L6 et L7 sont allumés. Puisque c'est le point de départ. Hein, donc, N6 et N7, donc, se sont allumés. Donc, carry, donc, c'est allumé. Borov est allumé. N7. Vous verrez pourquoi.
Donc nous avons qu'est-ce que nous avons donc LW avec LW0 LW0 c'est clear et SW1 SW1 ce que j'ai pas regardé, ah oui c'est chargement. SW1 c'est au chargement. Donc comme il y a une bulle, donc on va le mettre en position 1, SW1 de 0 à la position 1. Pour désactiver, enfin pour charger d'ailleurs, pour charger LW, enfin pour charger en position low-van, c'est SW1 sur la position 0. Ensuite, pour désactiver low-van, on le met sur la position 1. Voilà, donc là nous avons chargé les quatre entrées. Les quatre entrées, in 1, IN 2, IN 3, IN 4. C'est ces quatre entrées-là. C'est les quatre LED qui sont allumées d'ailleurs par ailleurs. C'est ces quatre LED-là qui sont allumées. Que nous avons chargées grâce à SW1. Ensuite, nous allons donc, donc lire. Donc ça, c'est la position clear, donc on éteint et on recommence l'opération inverse. Donc Lohan, vous voyez, donc je charge et une fois que c'est chargé, voilà, donc là c'est chargé dans le compteur des compteurs MM74C 193. Donc nous avons exactement les entrées, enfin les sorties, L0 allumée, N1 éteinte, L2 allumée, L3 allumée. C'est justement c'est les entrées là qui sont allumées, mis à part L1. Donc IN1, donc la brosse 15 au plus, la brosse 1 au moins, la brosse 10 au plus et la brosse 9 au plus. Ce qui se trouve par ici, donc la brosse 9, donc c'est ici, donc puis bah, c'est tout, donc c'est tout ce qui a les fils rouges, voilà, sauf le dernier que c'est l'alimentation, voilà. Ah, sinon, donc pour faire montrer donc le compteur allumé, bon, vous voyez, donc là je décompte là. Donc, c'est un décompteur. Vous voyez, donc, là, si j'appuie sur PO, là, si j'appuie sur P1, l'opération s'inverse. Donc, c'est un compteur, ce côté-là. En appuyant sur P1, c'est un compteur. En appuyant sur P1, donc, je regarde. Donc, en appuyant sur P1, c'est un décompteur, plutôt, celui-là. Non, je me trompe, excusez-moi, c'est P1, c'est ici. Donc, c'est un compteur, voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, P1, c'est un compteur. Regardez bien, la LED L6, elle vient d'éteindre, hein, parce que elle va m'indiquer, elle m'indique qu'elle va revenir en position 0. C'est-à-dire L0. L1, L2 et L3, elles vont s'éteindre. Voilà. Et L6, elles s'allument. Voilà. Ces deux LED-là, la LED L7 et L6, elles peuvent être reliées, bien sûr, aux autres compteurs. Justement, ça sert à ça. Ces deux LED-là, c'est pour visualiser. Donc, le borov, le borov, je veux dire, et le carry. Le borov et le carry. C'est-à-dire ces deux LED-là, L6 et L7. Hein, c'est pour visualiser sur d'autres compteurs. Qu'on verra cela par la suite. Hein. Donc là, donc, Q1, Q2, Q3, Q4, bon, ça, ce sont les sorties. Lire, c'est pour effacer les sorties, bien sûr, hein, donc, et load pour charger les entrées. Voilà, donc, les entrées plus et une entrée moins. Voilà.
Dans l'ensemble, bon, bah, c'est pas compliqué, vous voyez, donc L6 est éteint. Donc je vais me remettre, pour que vous puissiez bien comprendre, voilà, donc je vais me remettre ici, et je vais décompter. Vous voyez, donc l'opération, il fait l'inverse. Il fait l'inverse, mais je décompte, je vais compter l'autre côté aussi, voilà, pour vous montrer que l'opération est bien inversée. Voilà, s'il éteint d'un côté, donc là, avec le bouton P0, je décompte, hein. C'est un décompteur là. Hein. Là, je compte. 2, 3. Voilà. Là, je décompte. 1, 2, 3. Là, je compte. 1, 2, 3. Voilà. Là, je décompte. 3, 2, 1. Pratiquement. 3, 2, 1. Voilà. Donc, ça fait donc 1100 en code binaire. On verra mieux quand que ce sera donc en code sur les afficheurs hexadécimaux ou en code hexadécimaux pour les microprocesseurs. Oui, parce que les microprocesseurs sont codés en hexadécimaux. Voilà, donc ce que je voulais dire en plus, là sur le M.14, c'est 193. Il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part qu'il y a le décompteur. Donc là, donc, c'est le décompteur, P0, vous voyez, donc, il décompte, voilà. Et vous voyez, donc, L7 est éteinte, elle va m'indiquer qu'elle va charger la LED L3, L2, L1, L2, elles seront toutes allumées. Voilà. Et L7 allumée aussi en même temps. Ce qui me prévient que tout est allumé. Voilà, que toutes les LED sont allumées. Voilà. Donc, voilà le principe. Hein, donc, voilà. Donc, sur le circuit. Vous voyez, donc je bascule d'un côté à l'autre, etc. Là, vous voyez, donc je décompte N6, voilà. Et là, donc je vais compter N7, elle s'éteint pour m'indiquer que toutes les LED qu'elles vont s'allumer. Voilà. Et N7, elle s'allume aussi. Voilà. Voilà donc le principe d'un décompteur. Donc, d'un décompteur et compteur, enfin compteur, décompteur. Là, on va faire l'opération inverse. Voilà donc là, on compte là. Hein. Donc, il y a 16 impulsions, rappelez-vous. Hein. Enfin, 15 impulsions pour allumer les 4 LED. Et la 16e impulsion, vous voyez, L6. Elle s'allume pour m'indiquer que les 4 LED vont s'éteindre. Voilà, je relâche et L6 est allumé. Voilà. Là maintenant, si j'appuie sur P1, donc j'appuie toujours sur P1 pour avoir 15 impulsions, je vais m'arrêter jusqu'à là. Donc, jusqu'à 111, enfin. 1110 pratiquement, puisque le L0 est éteinte, la LED étant éteinte, donc nous sommes à 1110, donc c'est la lettre E exactement. Donc j'appuie une dernière, donc là c'est la lettre F, donc les 4 LED s'allument, pardon, les 4 LED. Les 4 LED s'allument automatiquement, L0, L1, L2, L3 sont toutes allumées. Voilà. Si j'appuie une dernière fois, L6, elle s'éteint pour m'indiquer que toutes les LED vont s'éteindre. Voilà. Et L6, elle s'allume maintenant. La LED L0, L1, L2, L3 sont toutes éteintes. Maintenant, je peux faire l'opération inverse. Vous voyez, L7
était teinte, ce qui m'indique que toutes les LED vont s'incrémenter d'un seul coup. Voilà, L7 est allumé. Voilà donc L0, L1, L2, L3 est allumé. Donc les quatre LED sont allumées. Voilà donc le principe de LED. Donc je regarde si mon schéma est bien mis. Ouais. Donc je répète, hein, P1 c'est pour donc P1 avec le front descendant, donc on envoie une impulsion négative de façon à charger en même temps à une condition que SW1 soit en position 0. Hein, donc, parce qu'il faut que à l'entrée de la bulle soit 0 et en sortie de la bulle, il faut qu'il y ait un 1. Donc, pour pouvoir charger les 4 IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, hein, il faut qu'on puisse charger. Donc, grâce au compteur aussi. Hein. Donc, il faut qu'on mette donc SW1 sur l'OAD, puis sur 1 après. Ce que je vais faire, parce que j'avais oublié de le faire, pour vous faire montrer. Hein. Donc là, donc on va éteindre, tac, voilà. Donc, vous voyez, donc je mets donc l'OAD avec le SW1 sur la position 0. Alors, SW1 sur la position 0, c'est là. C'est la position 0 à l'entrée de la bulle. 0, ça fait 1 en sortie de la bulle. Donc, le LED est activé, ce qui me permet d'afficher d'allumer toutes les LED, sauf la LED N1, mais toutes les autres LED sont allumées. Hein. Vu qu'il y a la brosse 15 qui est reliée au plus, la brosse 1 qui est reliée au moins, la brosse 10 qui est reliée au plus, et la brosse 9 qui est reliée au plus. Hein. Bon, il suffit de faire un tableau de code binaire en passant 0,0000001, 0010, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à donc IN1, IN2, IN3, IN4. Voilà, donc vous avez 256 combinaisons pour 4. Donc voyez-vous, donc ça fait beaucoup. Voilà. Donc voilà, donc c'est les entrées qu'on voit. Enfin, que c'est les entrées qui sont programmées d'avance, c'est comme si on avait programmé le compteur et le décompteur, et grâce au fil rouge, et d'en avoir un autre, maintenant c'est tout, 1, 2, 3, 3, 4, ah non, grâce, donc il y a 1, 2, 3 fils rouges ici, et il y a donc un fil noir, ça fait 4, voilà, donc voilà. Le fil noir se trouve là, le fil noir. Voilà, donc c'est pourquoi que N1 est éteinte. Voilà. Donc, vu que c'est chargé dans la mémoire de la bascule, enfin des compteurs plutôt, hein, enfin du compteur et le décompteur en même temps, hein, il fait les deux, hein, le circuit intégré. Le comptage et le décomptage, il fait. Donc, là, si je le mets sur clear, vous voyez, donc si je mets sur la position 1, est désactivé. Donc là, je recharge dans la mémoire. Bah, les bascules sont rechargées, ou plutôt les registres, ils sont rechargés. Et donc il y a 4 bascules, je regarde sur mon écran, oui, parce que c'est un grand schéma. Donc je voulais le faire sur le moment, mais j'ai préféré éviter parce que c'est un schéma interne de circuit intégré, si vous préférez, mais j'ai préféré de faire un schéma
synoptique, hein, pour rendre les choses plus simples que possible. Mais de toute façon, vous verrez le schéma qui correspond, le schéma purement théorique, vous le verrez dans la théorie, n'importe comment. Donc là, c'est à vous d'étudier. Vous avez donc des portes nord, des portes nord. Mais c'est pas bien compliqué, hein. Il a de l'inverseur. Il suffit de bien connaître les tables de vérité, hein. C'est à partir de là, hein, quand que vous verrez T, alors, T, donc ça veut dire toc, hein, donc bascule, ça veut dire hein, toc, T, ou flip-flop, là, flip-flop, comme les clignotants de voiture, flip-flop, voilà, donc bascule. T, ça veut dire toc, exactement, donc T-O, de G et L-E, la toc, là. Donc je répète ici P1, donc il est relié à Kuntup, hein, donc Kuntup, plutôt, donc c'est le compteur, Kundav, ça c'est le décompteur, et SW1 c'est le WAD pour charger les entrées et clear, bon, comme je venais de vous l'expliquer, donc c'est pour effacer les sorties, voilà. Donc, carry, c'est la retenue du Kuntup ou Kuntup, c'est la retenue, et Barov, c'est la retenue du décomptage. Voilà. Voilà, donc, et là, donc Q1, Q2, Q3, Q4, c'est les sorties qui vont vers les LED L0, L1, L2 et L3. Hein. Voilà, donc. Le principe, hein, c'est compteur, décompteur, synchrone. Hein, vous allez oublier synchrone. Voilà. C'est vrai que c'est synchrone. Puisque c'est commandé par le même signal d'horloge. Voilà. Donc, ici, bon, vous voyez, donc là, je décompte. Là, hein, donc, il y a donc, vous voyez, donc, ça, c'est le décompteur. Voilà. Et quand on appuie à fond, et là vous voyez c'est L7 qui s'éteint, puisque je décrémente, donc je fais donc l'opération inverse, puisque c'est 0 là. Donc je ne peux pas décrémenter 0, donc toutes les LED vont s'allumer. Voilà, donc là je peux décrémenter maintenant. Voilà, donc c'est pour vous faire montrer. Voilà, donc L7, L7.1, et toutes les LED s'allument. L0, L1, L2, L3, toutes allumées. Voilà, y compris L7. Maintenant, je peux faire l'opération inverse. Donc, vous voyez, donc L6, L7.1. Donc, ça, c'est pour incrémenter le bouton P1. Bouton P1, c'est pour incrémenter L6, L7.1, pour indiquer que L0 se met, que L6 m'indique que les 4 LED vont s'éteindre. Voilà. Donc, je peux appuyer sur PO, vous voyez, donc L7 est éteinte. Maintenant, elle est allumée, bien sûr. Bon, voilà, donc là, je décrémente. Là, vous voyez que les LED se défilent vers la droite. Voilà, L7, L7A. Voilà, pour m'indiquer que toutes les 4 LED sont allumées maintenant, y compris L7. Voilà. Donc, il n'y avait pas tellement de choses à dire. Là, c'est pour incrémenter avec le bouton P1. Bouton P1. S'il appuie là, c'est L6. S'il appuie sur P1, c'est L6, L7.1. Pour indiquer que L3, L2, L1 et L0 vont s'éteindre. Voilà.
et L6 est allumé maintenant. Voilà donc le principe. Hein. Ici, donc, je l'ai laissé donc, un fil. Là, ce fil-là, parce que là, pour l'instant, donc, je ne m'en sers pas. Sur la prochaine pratique, il y aura donc un jeu, là, il y aura donc quatre circuits intégrés. Hein. Quatre circuits intégrés. Et donc, c'est un jeu électronique. C'est un jeu électronique que je regarde dans mon, dans mes dossiers parce que je fais tellement de dossiers. Je fais tellement de semaines, mais c'est un jeu électronique réalisé avec, avec des compteurs, oui. Donc, voilà donc le principe de comptage. Hein. Donc, là, donc, ça indique 100, hein, donc, c'est-à-dire le chiffre 4, là 5, 6, 7, en décimale, hein, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc, jusqu'à 15 décimales. Et si on clique sur le 15, L6. Si on clique sur P1, L6, L s'éteint pour indiquer que les LED vont s'éteindre. Voilà. L6, maintenant, elle est allumée. Et L0 et L1, L2, et L3 sont toutes éteintes. Voilà. Pour cette expérience-là, donc là, c'est L7 qui s'est éteint. Donc, vous voyez, donc, elle décrémente celle-là en appuyant sur le bouton P0. Voilà. Voilà, L7, L s'éteint pour m'indiquer que les LED vont s'allumer. Voilà. Les quatre LED sont toutes allumées. Voilà donc pour cette expérience-là. Sinon, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Donc là, je vous renvoie. Donc, je vais vous renvoyer à la théorie. Voilà. Donc ça, c'est bien que Borov et Carrie, ce sont des retenues. Hein. Donc Carrie, c'est pour le compteur, et Borov, c'est pour le Kundav, exactement, hein. Donc, hein, ça veut dire des compteurs, hein. Voilà, donc, dès qu'elle est au niveau haut, s'alimentent les autres compteurs, voilà, pour ne pas perdre les informations, si vous préférez, voilà, ça sert à ça. Et on aurait pu, donc, relier Carrie à un des boutons, par exemple, sur Kundav, ou même les deux, qu'on verra après. Donc, Carrie peut être relié sur le Kundup, et Borov peut être relié sur Kundav, pour ne pas perdre les informations. Enfin, ça, c'est Kundup. Donc, P1 est à la brosse 5, donc on envoie un front. Une impulsion négative, excusez-moi, et sur P0, une impulsion négative sur le décompteur. Voilà. LOAD, donc, on charge LOAD lorsqu'elle se trouve sur la position 0. LOAD charge les 4 entrées IN1, IN2, IN3, IN4. Elle se charge des 4 entrées. Ensuite, les sorties Q1, Q2, Q3, Q4 alimentent les 4 LED. Voilà. Et SW0, bien sûr, qui permet de mettre clear à 0 ou à 1 pour effacer donc les bascules. Voilà donc les bascules donc, que je regarde. Qu'il doit en avoir 4, oui, c'est ça. Donc, on a 4 bascules. Donc, c'est pour ça, donc, chaque bascule, il y a un bit. Donc, c'est pour ça qu'on dit 4 bits. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, ok, d'accord. Donc, ça, c'est bon. Donc, voilà. Donc, là, on décompte avec le bouton P0. Hein. Enfin, de votre côté, vous pouvez faire le sens inverse. Hein. Donc, là, donc, vous voyez, donc L6
c'est la teinte. Voilà, donc là, je compte là. Donc, là, donc j'arrive à 8, 9, et là, F, la lettre F, voilà. Ça, donc, pour les codes hexadécimaux, on verra après quand on arrivera au niveau de l'afficheur, pour l'instant, voilà. Donc, il faut bien que vous sachiez faire une conversion entre le code binaire et le code hexadécimal. Voilà, on verra après les codes hexadécimaux par rapport au code binaire. Voilà donc pour cette pratique, donc la pratique 9. Et la pratique 9 et la 8e expérience. Hein, et la 8e expérience, il y en a une autre, mais je le ferai certainement demain, l'autre. Donc, c'est un jeu électronique, l'autre, c'est pour faire montrer exactement comment que ça fonctionne, le compteur et le décompteur. Hein, c'est pour que vous puissiez voir exactement comment que ça fonctionne. Voilà, donc il faut savoir que lorsqu'on câble les circuits intégrés, là je dis les parce que sur la prochaine pratique, il y aura des circuits intégrés. Bon, lorsqu'on câble sur les circuits intégrés, bon, il y a toute, comment dire, une documentation, bien sûr, donc ce qu'on appelle documentation des caractéristiques des circuits intégrés. Bon, j'ai tout de suite laissé ma main. Hein, d'office. Hein. Donc, c'est comme tout professionnel. Donc, on peut faire beaucoup de choses, mais là, donc après, bon, ça demande des études de projet, parce qu'il faut faire son projet. Hein. Donc, moi, j'ai mes projets à moi, mais vous n'êtes pas forcé de faire exactement la même chose que moi. C'est dans ce sens-là que je voulais vous dire. Voilà. Donc, ça, c'est... Ça, c'est le monsieur Pézoro, donc voilà. Donc là, donc, on décompte. Et là, on compte. Vous voyez, donc voilà. Voilà. Donc, cette pratique 9 de la 8e expérience, expérience, elle est terminée, celle-ci. Donc, je vous renvoie à la théorie 9. Et donc, c'est bien expliqué, vous verrez, donc, pas de problème hein, pour de ce côté-là. Tout ce qui est fil électrique vert, là, c'est les LED hein, qui sont branchés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 fils, puis 7, 8, 9, 10, exactement, voilà. Donc, il y a 10 fils ici, exactement. Donc, vous voyez, donc, pour brancher uniquement qu'un seul compteur et décompteur. N'oublions pas que le MM74C193, il fait les deux, lui, hein, compteur et décompteur. Voilà. Compteur, on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et un décompteur, c'est l'inverse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à 0. Voilà, donc... comme là, vous voyez, donc là, je décompte à partir du chiffre 15. Voilà. Et ensuite, L7 va s'éteindre pour m'indiquer que, comme quoi, que L3, L2, L1 et L0 elles vont toutes allumer. Elles sont toutes allumées, voilà. Donc... Et pour le décomptage, c'est exactement pareil, hein, de toute façon. Donc là, vous voyez, donc je décompte. Là, c'est pareil. Quand j'arrive ici, quand je veux faire l'opération inverse, donc là, c'est L7, L7A. Voilà. Et toutes les LED sont allumées,
N0, N1, N2, L3. Les quatre LED sont allumées, sont toutes allumées, et L7, y compris L7. Voilà. Donc, je vous renvoie donc directement à la pratique, à la théorie 9, qui correspond à cette pratique-là, à cette pratique du compteur, des compteurs. Voilà. Bon, ben, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Étude du circuit MM74C163 comme diviseur programmable. 8. Septième expérience. Utilisation du circuit MM74C163 comme diviseur programmable. Dans l'expérience précédente, la sortie carry était en permanence au niveau L, donc il n'était pas possible de l'exploiter. Néanmoins, si l'on désire monter plusieurs compteurs en cascade, il est nécessaire de relier la sortie carry d'un compteur au compteur suivant. En effet, dès qu'un compteur atteint sa capacité maximale, la sortie carry passe à l'état haut et permet la validation du compteur suivant. Ce dernier prendra en compte le signal d'horloge qui suivra. Dans cette expérience, vous allez réaliser un compteur à module variable, programmable et utilisant la sortie carry. Par ailleurs, l'entrée LOAD est utilisée pour permettre la programmation. 8.1. Réalisation du circuit. A. Enlever toutes les liaisons relatives à l'expérience précédente. Laissez en place les circuits intégrés MM74C163 et MM74C00. B. Effectuez les liaisons indiquées à la figure 21A. Le schéma électrique du montage réalisé est donné à la figure 21B. Le signal présent sur la sortie carry est l'inverse de celui présent sur l'entrée LOAD. 8.2. Essai de fonctionnement. A. Mettez les interrupteurs sur la position 0 puis mettez le Digilab sous tension. B. Maintenez P1 appuyé et actionnez P0. Les quatre LED sont éteintes. Le compteur est remis à 0. C. Relâchez P1 et mettez l'interrupteur SW0 sur la position 0, SW1 sur 1, SW2 sur 0 et SW3 sur 1. Le compteur est ainsi prépositionné à 10. D. Appuyez à 15 reprises sur P0. Le compteur passe successivement de l'état 0 à l'état 15. À l'état 15, la sortie carry passe au niveau H et l'entrée LOAD passe au niveau L. E. Appuyez à nouveau sur P0. Les LED L1 et L3 sont allumées et les LED L0 et L2 sont éteintes. Le compteur est donc positionné à l'état 10. En effet, l'entrée LOAD était au niveau L et le compteur a été prépositionné dans l'état où se trouvaient les quatre entrées IN1, IN2, IN3 et IN4. F. Appuyez à plusieurs reprises sur P0. Vous remarquez que le compteur ne prend aucun des états compris entre 0 et 9 mais seulement ceux compris entre 10 et 15. Il s'agit bien d'un compteur modulo 6. Ceci apparaît à la figure 22. G. Déplacer la liaison de l'entrée clock du contact P0 au contact CP1. Par ailleurs, disposez le générateur d'horloge du Digilab sur la fréquence 1 Hz. Ce montage fonctionne comme un diviseur par 6. Vous observez bien que la LED L7 s'allume périodiquement toutes les 6 secondes. H. Répétez l'expérience en changeant la combinaison logique des quatre entrées IN1, IN2,
IN 3 et IN 4. Vous observez que la fréquence d'allumage de la LED, elle s'était directement fonction de cette combinaison. En conclusion, cette expérience vous montre comment utiliser le circuit MM74C163 comme diviseur et compteur programmable. Pour obtenir le module du compteur réalisé, il suffit de soustraire du nombre d'états maximal du circuit intégré le nombre affiché sur les entrées IN1, IN2, IN3 et IN4. Dans cette expérience, le module valait 6, 16 à 10 égale 6. Ce compteur est programmable puisqu'il suffit de mettre la combinaison souhaitée sur les 4 entrées IN1, IN2, IN3 et IN4. Par contre, par rapport à l'expérience précédente, ce compteur modulo 6 ne passe pas par l'état 0. Pratiquement, c'est le type d'application qui permet de choisir l'un ou l'autre des deux montages proposés. 9. Huitième expérience, étude d'un compteur-décompteur synchrone, up-down, à 4 étages. Les différents compteurs examinés jusqu'à maintenant possèdent un mode de comptage croissant. Au niveau du diagramme des états, la progression d'un état au suivant s'effectue toujours dans le même sens. Il existe également des décompteurs dont la progression s'effectue dans le sens opposé. Un même circuit intégré peut fonctionner en mode comptage ou bien en mode décomptage. Un exemple d'application est la détermination du nombre de personnes dans une pièce. Pour cela, il suffit d'utiliser deux cellules photoélectriques détectant le sens de franchissement de la porte. Quand une personne entre, le compteur est incrémenté d'une unité, c'est-à-dire qu'il passe immédiatement au nombre supérieur. Quand une personne sort, le compteur est décrémenté d'une unité. Le compteur passe au nombre immédiatement inférieur. Donc, il est possible de savoir à tout moment le nombre exact de personnes se trouvant dans la pièce. Avec cette nouvelle expérience, vous allez vérifier le fonctionnement d'un nouveau circuit intégré, le MM74C193. C'est un compteur-décompteur synchrone à 4 étages. Celui-ci est assez semblable au MM74C163. Il possède, en effet, une entrée LoA des 4 entrées IN1, IN2, IN3 et IN4 permettant le prépositionnement. La figure 23 illustre le schéma logique de ce circuit et la figure 24 son brochage. Comme vous le voyez sur la figure 23, ce compteur est constitué de 4 bascules de type démontée en diviseur par 2, l'entrée T égale toggle et l'entrée d'horloge, c'est-à-dire qu'elle change d'état logique à chaque impulsion d'horloge arrivant sur l'entrée T. Il s'agit du montage proposé dans la première expérience où une bascule de type D est montée en diviseur par 2. Les 4 sorties sont toujours indiquées Q1, Q2, Q3 et Q4. L'entrée clear permet de forcer le compteur à 0. Elle est active au niveau H. L'entrée LOAD est active au niveau L. Ces deux entrées sont asynchrones, donc actives indépendamment de l'horloge. Ce circuit possède, en outre, deux entrées appelées Count UP et Count Down. Ce sont elles qui permettent d'utiliser le circuit intégré en mode comptage ou bien en mode décomptage. En mode comptage, l'horloge est appliquée sur l'entrée Count UP et l'entrée Count DOW Nest câblée au niveau logique H. Quand le compteur est à 15 et l'entrée Count UP au niveau L, la sortie carry passe au niveau L. En mode décomptage, c'est l'entrée Count Down qui reçoit le signal d'horloge, alors que l'entrée Count UP est câblée au niveau logique H.
Quand le compteur est à zéro et l'entrée count down au niveau L, la sortie borrow, retenue, passe au niveau L. Cette sortie est utilisée quand plusieurs compteurs sont montés en cascade. 9.1. Réalisation du circuit. A. Enlever les liaisons relatives à l'expérience précédente ainsi que les circuits intégrés montés sur la matrice. B. Insérer le circuit intégré MM74C193 sur la matrice et effectuer les raccordements indiqués à la figure 25A. Le schéma électrique du circuit réalisé est donné à la figure 25B. 9.2. Essai de fonctionnement. A. Mettez SW0 sur la position 0 et SW1 sur la position 1. B. Mettez le Digilab sous tension. Les LED L6 et L7 sont allumées. C. Mettez SW0 sur la position 1. Les LED L0, L1, L2 et L3 sont éteintes. Les LED L7 et L6 restent allumés. Le compteur est à zéro. D. Mettez SW0 sur la position 0. L'entrée clear est donc inactive. Mettez momentanément SW1 sur la position 0 puis revenez sur la position 1. Ainsi, vous activez l'entrée LOAD. Les LED L0, L2 et L3 sont allumées, tandis que L1 reste éteinte. Les entrées IN1, IN2, IN3 et IN4 sont à des états logiques correspondant à l'état 13. IN1 est à l'état haut, 1. IN2 est à l'état bas, 0. IN3 est à l'état haut, 1. IN4 est à l'état haut, 1. Tant que vous n'appuyez pas sur les boutons P0 et P1, les entrées Count UP et Count Down sont au niveau H. Il suffira donc d'appuyer sur P1 ou P0 suivant le mode, comptage ou décomptage, souhaité. Le front actif aura lieu quand vous relâcherez le bouton choisi. E. Appuyez sur P1 puis relâchez ce bouton. Le compteur est passé à l'état 14. F. Appuyez à nouveau sur P1 et relâchez-le. Le compteur passe à l'état 15. Les 4 LED L0, L1, L2 et L3 s'allument. G. Appuyez sur P1 et maintenez-le dans cette position. La LED L6 qui correspond à la sortie carry s'éteint. Ceci confirme que le compteur a atteint sa capacité maximale. H. Relâchez le bouton P1. Le compteur passe à l'état 0. Les LED L0, L1, L2 et L3 sont éteintes. La LED L6 se rallume. I. Appuyez à nouveau deux fois sur P1. Le compteur passe à l'état 2. L0 éteinte, L1 allumée, L2 éteinte, L3 éteinte. J. Appuyez une fois sur P0 et relâchez-le. Le compteur passe à l'état 1. Appuyez encore une fois sur P0 et relâchez-le. Le compteur passe à l'état 0. K. Appuyez sur P0 et maintenez-le ainsi. La LED L7 s'éteint. Ceci confirme que le compteur a atteint l'état 0. L. Relâchez P0. Le compteur passe à l'état 15 et la LED L7 se rallume. Si vous continuez d'appuyer sur P0, le compteur est décrémenté d'une unité à chaque impulsion. Vous pouvez alternativement appuyer à plusieurs reprises sur P0 ou sur P1. Dans un cas, vous décrémentez le compteur, dans l'autre cas, vous l'incrémentez.
Pour conclure, il est possible de donner les caractéristiques essentielles de ce circuit MM74C193. L'entrée clear est active au niveau H et a la priorité sur toutes les autres entrées. Quand on applique un niveau L sur l'entrée LOAD, le compteur passe à l'état correspondant aux entrées IN1, IN2, IN3 et IN4 si l'entrée clear est au niveau L. Les entrées clear et LOAD sont asynchrones. Une transition de L à H sur l'entrée Coontupé détermine une incrémentation du compteur. Une transition de L à H sur l'entrée Countdown détermine une décrémentation du compteur. La sortie carry passe au niveau L au moment où l'entrée Coontupé revient au niveau L et que le compteur se trouve à l'état 15. À la transition suivante de L à H de l'entrée Coontupé, la sortie carry repasse au niveau H, générant ainsi une impulsion de report pour l'éventuel compteur suivant. La sortie borrow passe au niveau L au moment où l'entrée countdown revient au niveau L et que le compteur se trouve à l'état 0. À la transition suivante de L à H de l'entrée countdown, la sortie borrow repasse au niveau H, générant ainsi une impulsion qui permet de décrémenter d'une unité le compteur suivant. Il est possible de monter plusieurs compteurs en cascade. Il suffit de relier les entrées Countupé et Countdown de chaque compteur aux sorties carry et borrow du compteur précédent. Ceci est présenté à la figure 26. Merci de votre écoute. À bientôt.